Bonjour et bienvenue dans le seul magazine qui réunit tous les pans de la culture geek et ce en 52 minutes. Aujourd'hui au programme plein de surprises et d'abord je vais vous présenter la team de choc qui m'accompagne aujourd'hui autour de cette table. Pour rentrer dans l'émission, elle m'a envoyé son CV par Minitel, la jolie Carole Quintaine. Pour rentrer dans cette émission, il a couché avec quelqu'un, il ne se rappelle plus qui c'est Joe Hume, notre expert série télé. Et celui qui rêve de m'assassiner pour prendre ma place derrière ce joli sourire enjôleur, Nicolas Augusto, notre expert jeux vidéo. Et pour nous accompagner pendant une heure dans cette joyeuse bande de joyeux loufoques, comme on disait dans le collège foufoufou, attention, Julien Josselin. Julien, vous le connaissez, humoriste sur le web, je l'adore, de l'équipe des Suricates, des millions et des millions de vues. Allez, soyons modestes, combien? Allez, un petit fourchette de millions. Non, je sais pas. Bon, il est modeste, 450 millions de vues. Juste après cette émission. Allez, tout de suite, sommaire, et on se retrouve en plateau. Au programme aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le manga Sailor Moon, un flashback sur la console GameCube, le jeu de cartes Timeline, un dictionnaire spécial Cliffhanger, la team du joueur du grenier qui revient sur le dessin animé Batman, science-fiction avec Baptiste Poulain, le jeu vidéo Eternal Darkness, la série Indiana Jones Junior, et aujourd'hui notre invité n'est autre que l'humoriste Julien Josselin, alias Jules Fou. À son actif, un vidéoblog, une chaîne YouTube à son nom qui cartonne. Des sketchs pour W9 via le collectif Golden Moustache, son crew, joliment appelé les Suricates, cartonne avec plus de 4 millions de vues par vidéo. Des collaborations également avec Norman, Cyprien, La Ferme Jérôme et de nombreux autres. En fin d'émission, ce sera à lui d'élire le chroniqueur le plus convaincant. Julien. Donc Julien qui est notre invité aujourd'hui, la bande de joyeux dribble, tu l'as là. Bonjour Julien. Bonjour. Salut Julien. Bonjour Julien. Tu as le droit d'interagir bien évidemment sur les chroniques des uns et des autres, puisqu'en plus en fin d'émission tu devras te mouiller pour dire lequel t'as le plus convaincu. Ok. Et tu peux choisir la fille, mais ça fait très parti pris tout de suite. Ok. Chez vous, vous pouvez commenter l'émission en direct live grâce au hashtag le plus long du monde, le hashtag plus ou moins geek. Tout de suite, on enchaîne avec Nico pour la rubrique jeux vidéo. À quoi on va parler aujourd'hui, mon ami? Déjà, tu vas aller faire des cours d'espanceine. Ah ouais, et tu reviens me voir quand tu parles. Ah, j'étais obligé. Alors, en image, pour un petit trailer sur Eternal Darkness, sorti en 2002 sur Nintendo GameCube. Eternal Darkness, c'est un jeu très inspiré de l'univers Lovecraft, tout ce qui est Clive Barker, Cthulhu et compagnie. Et on dit Cthulhu, mon vieux. Cthulhu, Cthulhu, ça fait chelou. Si Laurent était là, il te dit Cthulhu aussi. Cthulhu, quoi, bon. Cthulhu, cousin. Et donc, du coup, ce jeu est sorti sur Nintendo GameCube en 2002. Et il sort un petit peu dans la discrétion générale. Il avait été prévu sur Nintendo 64. Par le passé, c'est développé par Silicon Knight et c'est l'un des géniaux scénaristes du jeu vidéo qui s'appelle Denis Diak, qui est un mec qui écrit extrêmement bien, c'est très pointu. Et on va voyager comme ça à travers une, je crois, c'est une petite vingtaine d'ancêtres, à travers les 20 derniers siècles. Alors le pitch un petit peu, c'est on joue Alexandra Roivas, qui est une nana qui habite dans un manoir, je sais plus exactement où, dans les États-Unis. Et donc du coup son grand-père décède d'une mort un petit peu mystérieuse et elle va se retrouver dans ce manoir à enquêter un petit peu sur ce qui lui est arrivé. Elle arrive dans une pièce, elle trouve sur un bouquin et ce bouquin c'est en gros l'Eternal Darkness. Et elle ouvre les premières pages et en ouvrant la première page, elle tombe sur un centurion qui raconte l'histoire d'un centurion 20 siècles précédemment qui fait partie de sa famille et on va rentrer comme ça à travers tout un univers des descendants de la famille Roivas. Et donc du coup, la force du jeu, c'est qu'on va voyager à travers différentes époques, l'époque romaine, le monde arabe, jusqu'à notre monde moderne. Il y a aussi même une partie au XVIIe siècle, époque américaine, avec les colons qui arrivent et tout. Il y a différentes époques, c'est assez incroyable. C'est un niveau par époque, en fait. C'est plutôt un monde par époque. On affronte qui là-dedans? Alors, on affronte... Parce que là, pour l'instant, on voyage, c'est mignon. Voilà, on va voyager à travers comme ça différents personnages, on les joue à chaque fois, et les ennemis, ce sont trois grandes entités, sont des démons, et qui sont vraiment inspirés de l'univers Lovecraft. Ouais. Franchement, ce jeu est incroyable par son ambiance. Et quand il a été vendu, à la base, quand Nintendo l'a présenté avec Silicon Knight, donc les créateurs du jeu, il y avait
un core système, donc c'est la base du jeu fondamental, c'était l'insanité. C'est-à-dire qu'on va vivre des hallucinations. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'unicité du monde du jeu vidéo. Ce jeu-là a pris une force, c'est-à-dire de faire jouer, de déstabiliser le joueur. Mmh. Alors quand je dis ça, par exemple, tu es en train de jouer tranquillement dans le manoir. Je me demande situation. Et là, t'as ta télé qui s'éteint. Tu dis, attends, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, bien évidemment, c'est la console qui simule l'extinction de la télé, ou le son qui diminue, qui remonte, les caméras qui se mettent à l'envers, ou toi, t'es avec ton personnage, tu marches, t'as un bras qui tombe, un deuxième, et tu crois que c'est des bugs. Et c'est extrêmement bien fait, et donc, du coup, ça crée une sorte d'insanité entre le joueur, la console et les personnages. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça unique. C'est très incroyable. Incroyable. Je sais c'est pas si dans le public, c'est jouer, c'est mais... vraiment inspiré du jeu de rôle papier à la base de l'appel de Cthulhu de Lovecraft. C'est-à-dire que ton personnage, en fait, évolue selon ses facultés mentales. C'est-à-dire que plus il est confronté à des trucs fous, tout à fait. Plus il devient taré lui-même et son personnage est moins à même d'effectuer des actions. Tout au long du jeu, ça s'accélère. Il y a vraiment une tension. Et toi, du coup, moi, j'ai fait les trois fois. Il y a trois parties. Il y a le rouge, le vert, le bleu, qui sont trois couleurs fondamentales au départ du jeu, qui sont plus ou moins la difficulté du jeu. Moi, je les ai fait dans les trois couleurs. Ensuite, tu débloques la violette, où là, t'as un truc beaucoup plus compliqué. Et il y a... Ah, j'étais un puriste sur le jeu, j'ai adoré. Et il y a un truc excellent, exceptionnel, je sais pas si vous vous souvenez, c'est que c'est un jeu qui te force à prendre un papier et un crayon pour noter les runes, pour trouver les sorts. Mm-hmm. Parce que t'es là, et ça, le jeu vidéo te fait de moins en moins. Et c'est une des dernières expériences où t'avais ce genre de choses. En tout cas, Eternal Darkness, incroyable à faire si vous aimez un tant soit peu l'horreur, le fantastique, si vous aimez un peu frissonner. Ça a un peu vieilli. Faut être honnête. Mais le scénario est tellement fort, Que ça marche encore. Mais ça, on peut s'y remettre quand même aujourd'hui. Ouais, ah, mais totalement. Mais grâce auquel on peut dire que le jeu vidéo, le graphisme, c'est bien, la capacité technique, c'est cool. Mais c'est pas le plus important. Voilà. J'ai trois anecdotes. Quand même. Trois anecdotes, un temps qui va être très court, mon ami. La première, le jeu devait sortir en 2001. Pendant le mois de septembre, pendant les attentats du 11 septembre, à la base, le jeu était imaginé dans un monde arabe. Nintendo, avec les attentats, ce qui se passe, dit stop, on se recule. C'était un peu touchy, t'imagines bien le truc. C'est un peu compliqué pour eux. Nintendo est toujours un petit peu dans une politique du très correct. Donc du coup, ils reportent le jeu d'une année et les game designers, level designers décident de changer une certaine partie du jeu. Première anecdote. Alors, Prince of Persia, pas de problème. Prince of Persia, pas de problème. Tout le monde s'en fout. Deuxième anecdote. Alors, je ne sais pas si vous saviez que la plupart des comédiens qui sont dans Eternal Darkness sont les comédiens de la saga Metal Gear. Et le David Hayter qui prête sa voix à Solid Snake prête sa voix aussi à Eternal Darkness. Et la casting director, Chris Zimmerman, qui est la plus grande casting director américaine pour le jeu vidéo, travaille avec Eternal Darkness et la saga Metal Gear. Et c'est le début du deal. Pourquoi le Metal Gear Twin Snake arrivera sur GameCube quelques années après. Troisième. C'est dommage, il n'y a pas Rurik parce que ça aurait, je pense, un peu touché aussi. Nintendo lance pour la campagne de promotion du jeu un concours pour un short movie. C'est-à-dire, les gens qui sont inspirés du pitch, faites un short movie. Un court-métrage. Un court-métrage. Oui, d'accord. Ah oui, oui, parce qu'il faut préciser, Nico est un Américain. Avec son look d'Américain. Il a un vocabulaire très Miami. Ouais, désolé. Vas-y. Et donc, du coup, il balance un court-métrage, il y a un gagnant, il y a des prix et tout. J'ai jamais eu l'occasion de les voir, donc je ne sais pas si vous les avez vus. Du tout. Voilà. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Je ne sais pas si ça n'a pas été gardé privé. Pour Nintendo, c'était des remises peut-être de prix. Peut-être en interne. Ouais. Mais a priori, c'était très bon. Il y avait des super retours du magazine Nintendo Power américain. Les gens peuvent le partager. Voilà. Peuvent les partager avec nous. Ah oui, si vous avez donné, ce serait cool. Chez vous, il vous suffit de faire un petit hashtag plus ou moins geek très très long et de mettre le lien de la vidéo. Vous l'envoyez à Nico. T'es sur les réseaux sociaux aussi. On enchaîne avec l'homme à la voix d'or, Stéphane Gallo, la rubrique jeux de rôle, jeux de plateau. Bienvenue dans votre parenthèse jeux de rôle, jeux de plateau. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Timeline, une création de Frédéric Henry qui fait un carton depuis sa sortie en 2010 et qui connaît déjà un paquet d'extensions. Timeline fonctionne avec un principe extrêmement simple qui ne limite pas au core gamer et qui en fait le jeu parfait pour une après-midi en famille par exemple. En fait, les joueurs disposent d'une main de 4 cartes, ou plus s'ils veulent que la partie dure plus longtemps, et ils doivent simplement placer leurs cartes au centre de la table en respectant la ligne chronologique, la fameuse Timeline. D'un côté des cartes, la date est indiquée, et de l'autre, non. La première apparition de super-héros a-t-elle eu lieu avant ou après l'invention du hip-hop? C'est aussi simple et génial que ça, et on passe les parties à se poser ce type de questions. Si vous placez mal votre carte dans la ligne chronologique, vous devez en piocher une nouvelle. Le premier joueur qui parvient à se débarrasser de toute sa main a gagné la partie.
La partie commence à peine. Les joueurs jouent avec une version multithème dans laquelle on trouve des cartes relatives aux événements historiques, aux inventions, aux créations artistiques, etc. Avec un autre jeu de timeline, ou en mélangeant les cartes, ils pourraient se retrouver à ne jouer qu'avec des événements historiques, uniquement avec des questions relatives à la musique ou au cinéma, ou avec des inventions, par exemple. La première carte tirée est le roman 20 000 lieues sous les mers, de Jules Verne, qui date de 1869. Les joueurs n'ont évidemment pas le droit de regarder les dates qui sont sur leur propre carte, et ils commencent à les disposer sur la table de façon à ce que cette précision n'apparaisse pas. Leslie étant la plus jeune joueuse autour de la table, c'est elle qui ouvre le bal avec la domestication du chat. Les cartes s'enchaînent vite par la suite, le premier vol d'une navette spatiale, la légende de Robin des Bois. Les choses se corsent à mesure que le choix des cartes se restreint et que ne restent à poser que des événements difficiles à dater, comme la création de la Clémentine, par exemple. Anthony place l'Iliade et l'Odyssée entre le cheval de Troie et Robin des Bois. La partie continue, même si le rythme a légèrement ralenti. John tente de poser la carte Invention de la cafetière entre 1869 et 1974, mais se plante dans les grandes largeurs. Cette invention datant de 1802. Oui, oui, ça va, c'est facile de faire les malins quand on a l'info sous les yeux. Bon, il pioche une nouvelle carte et il défausse celle-ci, et sa nouvelle carte à placer est l'invention du shampoing. Bonne chance avec celle-là. Anthony, qui se moquait, vient à son tour de rater son coup en essayant de poser l'invention du football à la fin du 19e siècle, quand celle-ci date de 1863. Sa carte de remplacement est la 9e symphonie de Beethoven, et il sourit à chacun ses spécialités, apparemment. Pendant ce temps, Leslie, elle, continue son sans-faute. Après quelques tours de plus, de nouvelles cartes sont entrées en jeu, comme l'invention du croissant ou la fable Le corbeau et le renard. Et ça y est, Leslie l'emporte, la partie est finie, elle vient de poser sa dernière carte dans la ligne temporelle, la carte Le premier hold-up. Les joueurs se serrent la main, la félicitent, ils sont en train de discuter et l'un d'eux attrape une nouvelle boîte de timeline, une autre, et donc une nouvelle partie va commencer apparemment. Les parties sont habituellement assez rapides, on peut donc les enchaîner très facilement. Les joueurs semblent avoir décidé de jouer avec le jeu spécial musique et cinéma. Très bien. La distribution des cartes a commencé. Vous pensez que cela va être plus facile? Détrompez-vous. Peut-être que vous êtes parfaitement capable de situer la sortie des Dents de la Mer au cinéma. Mais où le placer par rapport à la sortie de Massacre à la tronçonneuse? Avant ou après? Ce n'est plus si simple. Et comment classer trois sorties complètement différentes, comme celle, par exemple, du film Seven, du film Pulp Fiction et du Black Album de Metallica? Réellement, les choses deviennent plus compliquées. Vous pensez pouvoir vous en sortir? Vous savez dater la lettre à Élise? Eh bien, prouvez-le. Il vous suffit de saisir un jeu, d'appeler quelques amis, et maintenant, à vous de jouer. Un petit moment de sympathie de 2 minutes qui s'installe petit à petit au fur et à mesure de la saison 3 de Plus ou moins Geek, c'est le Geekctionnaire. Et cette fois-ci, Sébastien va nous expliquer, c'est plus une petite rubrique pour les newbies, ce qu'est un cliffhanger. Et on se retrouve juste après. Mouchoir et bienvenue dans ce Geekctionnaire consacré au cliffhanger. Non, pas le film avec Stallone, l'outil scénaristique. Ce mot désigne un moment de suspense insoutenable survenant à la fin d'un acte ou d'un épisode. Cliffhanger, que l'on peut traduire par cintre à falaise, même si ça ne veut rien dire, on fait ce qu'on veut après tout, tient son origine du roman A Pair of Blue Eyes de Thomas Hardy, qui, à la fin du récit, laisse son héros suspendu à une falaise, torturant ainsi les nerfs des lecteurs et des lectrices. Cliff égale falaise. Hanger vient de to hang, s'accrocher. Pour trouver l'une des premières utilisations du cliffhanger, il faut remonter over loin, au XIIIe siècle, avec les Mille et Une Nuits. Dans ce recueil de contes d'origine persane, toutes les nuits, Scheherazade raconte une histoire différente au sultan qui doit la buter à l'aube. Scheherazade ne doit alors son salut quotidien qu'à l'utilisation de cliffhanger à la fin de chaque conte, maintenant alors en haleine le sultan, qui se voit obligé de la garder en vie afin de connaître la suite. Utilisé par Alexandre Dumas, Eugène Sue, Margaret Mitchell ou Dan Brown, le cliffhanger deviendra récurrent au 19e siècle grâce aux romans-feuilletons publiés dans les journaux quotidiens. Puis vinrent les séries télé, qui l'utilisèrent naturellement pour fidéliser les spectateurs à la fin d'une saison. Oh putain, ils ont tué JR! Ou à la fin de quelques épisodes. Oh putain, ils ont tué Jack! Ou plusieurs fois dans un même épisode. Oh putain, ils ont retué Jack! Et ce, afin d'en faire un élément narratif incontournable, obligatoire, voire même imposé toutes les 12 minutes sur certaines séries américaines, histoire de pouvoir se carrer des pubs entre les parties de l'épisode.
Oh putain, ils ont tué le détergent 3 en 1! Si le cliffhanger est un outil formidable pour pimenter une histoire et captiver l'audience, c'est aussi un piège pour certaines séries malchanceuses. John Doe, Veronica Mars, Flash Forward, Pushing Daisies et plein d'autres séries dont on ne connaîtra jamais la suite. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve prochainement pour un Geektionnaire spécial sur les... Sébastien va-t-il survivre à sa propre chronique? Vous le saurez en regardant la prochaine émission de Plus ou moins Geek. Et tout de suite, on enchaîne, mais on enchaîne avec qui? Ah, avec Carole. Ça y est, c'est ma chronique. Alors attention, ça va démarrer très fort. Si je vous dis pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi! C'est leur mot! C'est leur mot! Bravo! On les applaudit, on applaudit public. Effectivement, en 1992, Sailor Moon débarque. Donc, c'est un manga de Naoko Takeuchi qui est sorti donc en manga papier et en animé un an plus tard. Donc, ça débarque au Club Dorothée. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Usagi Tsukino. Alors, Usagi, ça veut dire quoi? Elle doit pas être son nom en français. Elle doit s'appeler pas... Christelle ou un truc non, comme ça. Non, elle s'appelle Bunny. Ah, Bunny. Mais là, alors, contrairement Bunny. À... Elle s'appelle Bunny. Oui, oui. Bunny, Bunny Rivière. Ça n'a rien à voir avec... Okay. Si toi aussi, tu connais une Bunny Rivière, hashtag. Voilà, donc c'est l'histoire de Bunny, Bunny Rivière. Usagi veut dire lapin en japonais. Okay, donc, il y a une ils certaine... Avaient gardé, ils avaient quand même Usagi. Gardé... voilà. Ouais, ça correspondait quand même, contrairement à tous les autres dessins animés où il n'y a aucun rapport entre les noms japonais et les noms français. Donc c'est l'histoire de Usagi Bunny, qui est une jeune fille un petit peu maladroite, assez pleurnicheuse comme ça. Et donc cette jeune fille va rencontrer un petit chat qui s'appelle Luna. Et donc cette petite chatte vient du royaume de la lune et va lui offrir une broche qui va lui permettre de se transformer en Sailor Moon, en prononçant les mots pouvoir du prisme lunaire. Une chatte qui vient de la lune. Transformer. Une chatte qui vient de la lune, c'est pas mal. C'est, oui, c'est effectivement. Bien. Effectivement. Le bon choix. Donc c'était la chronique sexe. Et donc elle va avoir acceptable pour le grand public, s'il te plaît. Oui, pardon, on coupera, on mettra un petit bip. Et donc voilà, le manga vient de sortir, l'animé vient de sortir chez Kazé. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Moi, j'avais les VHS à l'époque et je me disais, mais jamais ils nous sortiront le DVD de Sailor Moon. Et donc, c'est arrivé l'intégrale de la saison 1. Alors, petit pitch de la saison 1. Donc, elle trouve donc Luna. Elle obtient ses pouvoirs magiques et elle va donc rencontrer 4 autres guerrières que j'ai là. Donc, j'ai des petits. Alors, est-ce que vous connaissez bien? C'est voilà. Le mini quiz intégral à la chronique. Alors là, c'est Force Rouge. Non, c'est pas Bioman. Hein, on parle pas de. Voilà. Donc, Raya. C'est leur Mars. Okay. Voilà. D'accord. C'est leur Mars. Et ça veut dire quoi? Raya. C'est leur Mars. Alors voilà, elle représente. Voilà. Chaque Sailor représente une planète. C'est voilà. Classique, okay. Voilà. Donc Bunny représente la Lune. C'est Sailor Moon. Tu as donc Raya. Donc Sailor Mars. Tu as Sailor Jupiter, qui représentera donc la planète Jupiter. Okay. Sailor Vénus, qui est appelée également Sailor V. J'aimais bien elle. Voilà, Sailor V. Elle était de Vénus, c'est pour ça. Ouais. Elle est cool. Donc, on a Bunny. Et puis, on a Molly, qui est donc Sailor Mercure. Et donc, ces filles-là, ces 5 guerrières, vont défendre la Lune, l'ordre et la justice contre le royaume des ténèbres et la reine Beryl, qui veut récupérer le cristal d'argent. Alors, cristal d'argent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le cristal que possédait la princesse Serenity à l'époque sur la Lune. Mais ce qu'on ne sait pas au début, c'est que la princesse Serenity n'est autre que Mademoiselle Bunny. Mais même elle ne le sait pas. Alors, on va continuer sur cette petite chronique en notant que nos 5 guerrières ne luttent pas seules contre les forces du mal puisqu'elles sont aidées par Tuxedo qui s'appelle l'homme masqué en français, ah oui. Qui n'est autre. Donc c'est on va peut-être sexy, voir l'image, je ne sais pas, la on va peut-être. Voilà. Donc. Mais c'est pas juste un gros plagiat d'Arsène Lupin ou de Mandrake ce personnage. Il est un peu inspiré d'Arsène Lupin visuellement. Visuellement, voilà. C'est le crush de Sailor Moon. Voilà, elle est complètement folle de lui. Sailor Mars aussi est très attiré par l'homme masqué, mais lui est vraiment amoureux de Sailor Moon. Il ne sait pas vraiment pourquoi. Dans la vie, parce ils se connaissent. C'est l'héroïne principale. C'est... Non, c'est l'héroïne. Non, mais voilà. Non, mais en fait, ils ont vécu une très grosse histoire d'amour sur la Lune à l'époque. Ils s'aimaient. Ça, c'était le prince Endymion. Lui non plus ne le sait pas. Ils vont le découvrir au fur et à mesure. Donc, quelques petites anecdotes. Donc, déjà, Sailor Moon a remis la Magical Girl au goût du jour après Crimi, Vanessa, la magie des rêves bleus et
etc. On n'avait plus de Magical Girl depuis un bon moment. Et c'est là où je pense que tu dois être heureuse que Fred et Sam ne soient pas en plateau, puisque rappelons quand même que toute l'année dernière, ils ont pourri RL à chaque fois qu'elle faisait quelque chose sur les Magical Girls. Ah, c'est génial. Je pense que c'est pour ça qu'RL a dit non, je vais faire une rubrique extérieure. Non, comme japonais, je ne peux plus du tout me faire incendier. Non, mais c'est génial les Magical Girls. Pardon, et c'est vrai que. Une sorte de Creamy, c'est quoi ça? Creamy Mami, c'était une des premières Magical Girls créées par le studio Pierrot. Et on en parlera d'ailleurs dans une prochaine chronique. Ferme bien ta gueule. Voilà. Et c'est leur Moon et l'animé Magical Girl le plus long, puisqu'il y a 200 épisodes, puisqu'il y a plein de saisons. Après, tu as plein d'autres guerrières qui arrivent, c'est leur Uranus, Neptune. Et il y a eu pas mal de débats sur justement l'homosexualité, parce que dans la vraie série, donc non censurée, la version pas Dorothée, on voyait effectivement pas mal de guerrières donc de toutes nues, voilà, qui se roulaient. Il y en a deux effectivement qui sont lesbiennes. Ouais. Donc ça, c'est complètement censuré dans la version française. Au Mexique, on a carrément interdit le dessin animé, enfin toutes les séquences où on les voyait nues ont été supprimées. En Italie, une psy a même été jusqu'à dire que ça amenait les petits garçons à devenir homosexuels. Mais c'est pas faux. Donc c'est pas faux. Ça a déclenché quand même pas mal de gros débats. Donc voilà, Sailor Moon. Il faut toujours un coupable. Le coupable était Sailor Moon. En tout cas, ça a fait un gros carton malgré le côté répétitif de la série. Gros carton. J'étais un gros collectionneur de cartes. Tu sais, cartes à jouer, Dragon Ball, Sailor Moon, tout ça. Non, mais là, t'as les cartes... Et je suis tombé l'autre jour sur un classeur et j'avais la collection complète des Sailor Moon. Et voilà. Mais c'était génial. Et ça, c'est une belle histoire. C'est une histoire vachement virile. Et regardez, chacun, je vous donne une petite carte. Oh, gentil. Voilà. Oh, tu vas garder Vénus. Voilà, puis moi, je garde ma préférée parce que c'est Sailor Mars. En plus, elle me ressemble un peu. Pouvoir de Mars, transforme-moi. Mais écoute, on va vachement. Bravo, là, ouais, moi, je vais te Et ben moi, je vais te transformer tout de suite, puisqu'on retrouve la rubrique science-fiction avec Baptiste. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Bon, il y a un truc qui m'énerve dans tous ces films d'espionnage où les mecs ils doivent se tortiller du cul pour passer entre des lasers. Vous avez vu un peu cette grâce, enfin voilà, moi je passe dedans comme ça. Bah oui, parce que les mecs ils font des salles, il y a plein de lasers qui passent partout, ça passe à 2 mm, mais c'est fait exprès quand même pour qu'une personne suffisamment souple puisse passer dedans. Mais il existe une arme encore plus redoutable et en même temps lamentable. Lorsque vous voulez faire un casse de casino, normalement c'est fait pour admirer son ego à l'intérieur de ce merveilleux miroir, mais face à l'intelligence suprême des scénaristes d'Hollywood, vous pouvez dévier un laser et arrêter l'alarme. Ah, frêle cervelle, il est temps que j'appelle Steven Soderbergh et Hollywood pour les prévenir un peu des conneries qu'ils mettent dans leurs films. Bon, en attendant, parce que je pense qu'on en a pour longtemps, on va poser un peu la situation. Dans une alarme standard à laser, il y a un émetteur et un récepteur. Évidemment, l'émetteur envoie la lumière et le récepteur la reçoit. Il y a un faisceau entre les deux, si vous coupez le faisceau, bah ça fait un truc du genre... Ça sonne quoi, enfin c'est pas compliqué, hein, je coupe le faisceau, ça sonne. Donc là on va parler carrément des blocs super sophistiqués, on n'est plus dans la petite maison papier et mamie, on est dans le gros casino, le gros musée quoi. C'est un bloc qui fait à la fois émetteur et récepteur, donc si le rayon il part à un endroit, il doit rebondir à l'intérieur du musée et revenir à l'intérieur. Hollywood a inventé un système extraordinaire, et c'est uniquement Hollywood qui l'a inventé, parce qu'avant on savait pas du tout ce que c'était, c'est le miroir. Sauf que ces boîtiers, bah ils sont un petit peu intelligents quand même, parce que quand vous montez le miroir, ça bloque quoi qu'il arrive, même si vous ne le voyez pas, le rayon est bloqué pendant une microseconde et ça suffit juste pour déclencher le système et là, boum boum. Merci d'avoir patienté, nous allons vous passer Monsieur Soderbergh. Allô? Oui, monsieur... Je peux pas répondre, je dois vous laisser, j'ai mon alarme qui sonne. Encore une fois, j'ai été très heureux de vous faire l'honneur de ma présence. Gardez vos applaudissements puisque tout de suite c'est Fred et Seb avec leur rubrique désormais culte, Rétro TV. Ouais, je crois qu'il est mort. Ouais, et complètement bat décédé. Pourquoi tu dis bat décédé? Parce que j'ai vu Batman à la télé hier, c'était super cool. Ah ouais. Tu connais Batman, la série animée? Ouais, bien sûr. La série de 92? Oui, bien sûr, évidemment. Et tu sais que c'est une série de 85 épisodes.
qui est sorti d'abord sur Canal+, dans Décode pas Benny, et ensuite sur France 3. D'accord. En 1984. Moi, je l'avais vu que sur France 3, personnellement. Et c'est une série mais, qui est produite par la Warner, enfin qui fait partie de toutes les nouvelles séries Warner de super-héros, avec la Superman, Justice League et tout. Et elle, c'était la première, en fait, qui a amené tout ce courant de séries animées de super-héros. Qui était bien mieux, parce que Superman n'était pas terrible au fond. Mais la série, c'est quand même un sans faute. Enfin, pour tout fan de Batman, c'est incontournable, quoi. Tellement qu'il y a de choses cultes à l'intérieur. Il y a des personnages qui ont été rajoutés dans la série, qui ont été créés pour la série, qui sont devenus canon et qui ont intégré le comics, en fait. Harley Quinn, voilà, qui donne une dimension au Joker plus humaine, et, mais en même temps très ambiguë. C'est hyper bien travaillé. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y avait des personnages qui étaient un peu en retrait dans le comics, qui ont pris une nouvelle dimension à travers la série animée. Du genre Freeze. Freeze, voilà, complètement. Puis Paul Dini, c'est un excellent scénariste. Tout ce qu'a touché Paul Dini, c'est devenu de l'or. Enfin, moi, c'est incontestable. Pour moi, de toute façon, c'est l'image de Gotham que je me fais. C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé le film de Tim Burton. D'ailleurs, la série est vraiment dans la continuité. C'est-à-dire, la compositrice du thème, c'est le thème, de toute façon, qui ressemble beaucoup au thème du film. C'est dans la continuité que la série est née, en fait. Tous les choix qui ont été faits dans la série, c'est des choix qui ont fait mouche à chaque fois. Complètement, ouais. Chaque fois, ça respectait l'univers de Batman, c'était très crédible, et c'est pour ça que la série est ultra culte. C'est vrai. Faut peut-être s'occuper de ce truc, non? Je sais pas. On va connaître Batman sans l'occuper. Hein. Ouais, t'as raison. Ouais. Et on poursuit l'aventure plus ou moins geek saison 3 avec le grand sujet geek, une enquête cette fois-ci sur la GameCube, et nous reviendrons en plateau pour après savoir un petit peu et titiller notre invité, notamment Julien, je te titille à un, pour savoir quelle était finalement la meilleure console rétro. On se retrouve tout de suite. Amis gamers, levez votre joystick bien haut, faites la révolution avec moi, retournons toutes les boutiques mais qu'est-ce que je raconte moi? Je m'enflamme toute seule. Faut dire aussi que nous allons revenir sur l'histoire de la GameCube, console mythique et mésestimée à son époque, avec Florent Gorge, un spécialiste en Nintendo. Quel est le contexte du jeu vidéo avant l'arrivée de la GameCube ? La GameCube, en fait, arrive dans un contexte un peu particulier, puisque Nintendo est, comme à l'époque de la Nintendo 64, assez en retard. Et la PlayStation est déjà sortie depuis plus d'un an, la Dreamcast pratiquement 2 ans. Donc, dans le marché du jeu vidéo 128 bits, si on peut dire ainsi, ils ont quand même beaucoup de retard. Donc, ils doivent faire très fort, toucher le plus grand public possible pour essayer de rattraper le retard qu'ils ont par rapport à Sony et Sega. Quelle était la stratégie de Nintendo pour le lancement ? Alors, ils sont partis en fait du principe que Nintendo a toujours fait du jeu pour la famille. Donc, ils ont misé avant tout sur la convivialité et puis sur la simplicité d'utilisation, encore une fois. Donc, ils ont mis 4 ports pour 4 manettes pour 4 joueurs. Ils ont aussi mis l'accent sur un design qui était très kawaii, donc c'était un petit cube. La plus petite console de cette génération, en tout cas. Et puis, des couleurs, des coloris assez flashy. Le premier modèle disponible était violet, donc pour beaucoup ça faisait un peu jouet, et c'est peut-être aussi ce qui a desservi un peu la console au départ. Alors la GameCube, un flop ? Dire que la GameCube est un flop, c'est quand même un abus de langage. Il s'est vendu plus de 20 millions de consoles. Je doute qu'ils aient perdu de l'argent sur cette machine. Alors évidemment, si on compare avec la PlayStation 2, oui, c'est incomparable. Les chiffres de vente sont incomparables. Ils en ont vendu 5 ou 6 fois plus de PlayStation 2. Mais c'est pas un flop non plus. C'est peut-être la console de salon de Nintendo la moins vendue, mais je connais beaucoup de fabricants qui aimeraient vendre 20 millions de leurs produits dans le monde. Tout de suite, l'ultime moment geek. Dans une GameCube, on trouvait un processeur Gecko d'une fréquence de base de 485 MHz, une RAM principale de 24 MO d'une latence de 10 NS et une unité de disque disposant d'un temps d'accès moyen de 128 millisecondes pour un débit situé entre 2 MO secondes et 3,125 MO secondes. J'ai rien compris. Nintendo a-t-il pris des risques niveau jeu ? Nintendo a pris quand même quelques risques, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir un Mario, ils ont sorti un jeu dans lequel Luigi était le héros, puisque là, cette fois, c'était Mario qui était prisonnier, donc Luigi's Mansion a été assez novateur. Ils ont pris un gros risque aussi, malgré tout, avec Zelda, puisque Zelda, tout le monde attendait un Zelda réaliste, et ils ont sorti The Wind Waker, avec des graphismes extrêmement cartoon, qui ont beaucoup choqué la communauté au départ, et puis il s'avère que c'était un grand jeu, donc il n'y avait pas de souci d'un point de vue ludique. Mais Nintendo s'est pas finalement tant reposé que ça sur ses lauriers. Ils ont eu beau sortir leur licence de d'habitude, ils ont pris quand même quelques risques.
Et puis, on a vu aussi apparaître un certain nombre de jeux assez couillus pour l'époque et surtout pour le marché, comme par exemple Killer 7, qui a priori n'était pas du tout adapté à une machine comme la GameCube, qui était une machine très familiale. Donc Killer 7, un jeu très mature, un jeu assez violent, sorti sur GameCube, c'était assez couillu quand même, et de la part de Capcom et Nintendo. Quels étaient les autres arguments marketing ? Ils ont essayé de se démarquer aussi avec une interactivité avec la Game Boy Advance, qui était la console portable la plus vendue au monde à ce moment-là. Donc il suffisait de relier la console GameCube avec la GBA pour ensuite obtenir une manette un peu originale, puisqu'on avait un écran qui était intégré directement et qui permettait aussi des interactions entre divers écrans. Donc il y a eu un certain nombre de jeux qui ont utilisé cette interactivité de façon assez intéressante. On a eu donc par exemple Final Fantasy Crystal Chronicles, ou encore Zelda's Four Sword Adventures, qui permettait une interactivité vraiment novatrice et originale. Quelles sont les autres particularités de la GameCube ? La GameCube a essayé de se démarquer un petit peu de la concurrence en proposant par exemple un format de disque qui n'était pas du tout DVD. On ne pouvait même pas lire de DVD sur cette console, qui faisait 8 cm de diamètre, qui ne pouvait contenir que 1,5 giga de données, mais qui a été développé avec l'aide de Matsushita contre la copie, puisqu'il c'était un format un peu natif, il était plus difficile de faire des copies de ces jeux et de les pirater. Donc c'était pour Nintendo une façon de se protéger aussi contre la pirate qui à ces moments-là vivait ses moments de gloire. Depuis, la GameCube a-t-elle obtenu ses lettres de noblesse ? En fait, la GameCube, on la reconsidère aujourd'hui parce qu'il y a eu effectivement 700 jeux, mais dans ces 700 jeux, il y a eu très peu de mauvais jeux. Et ça, c'est l'une des grandes forces de la GameCube, c'est la qualité de sa ludothèque. On a vu vraiment beaucoup de bons jeux et très peu de bouse. Donc on peut évidemment citer Biohazard 4, enfin Resident Evil 4, Made in Wario, Star Fox Adventures, F-Zero GX, Killer 7, enfin les bons jeux sur GameCube se comptent vraiment par dizaines. Donc on se rend compte aujourd'hui, c'était peut-être une console qui n'était pas très hardcore gamer dans l'âme, mais en tout cas les jeux étaient vraiment excellents. Et c'est ce qui aujourd'hui fait la différence quand on en parle au passé. Pour combien serais-tu prêt à lâcher ta GameCube ? Non, moi je ne revendrai pas mes consoles, je ne vends pas mes Game & Watch, je ne vends pas mes jeunesses, je ne vends pas mon matériel malheureusement, je ne suis pas un spéculateur de jeux vidéo, je les garde en tant que matière pour travailler ensuite. La GameCube n'a donc pas fini de hanter les salons des gamers acharnés de la manette. Les amis, il est temps de se pencher sur votre jeunesse. Julien, t'as eu quoi comme console ? Déjà, t'as eu quoi comme console rétro ? Et deux, laquelle t'as le plus marqué ? Alors moi je suis dans et la trois, génération est-ce que tu pas si rétro que ça. mais moi, la plus rétro auquel j'ai vraiment joué, c'est la Super Nintendo. C'est pas mal saigné. Quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Les gens ne sont pas aussi. Ouais, je l'ai beaucoup usé, j'ai soufflé dans beaucoup de... Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme avec des applaudissements. J'en ai soufflé. C'est celle que j'ai le plus utilisée avec très Nintendo à l'époque, Game Boy aussi, tout ça. Mais t'étais vraiment gamer hardcore ou c'était vraiment le mercredi après le foot Non, parce que en Bretagne, j'étais encore très jeune, donc il fallait que je choisisse. Quoi. Ma maman me disait, tu vois, on allait en braderie et elle me faisait, t'en achètes un seul, hein, donc du coup je devais choisir. Et des fois je prenais des nuls, du coup j'avais la haine parce que je devais quand même y jouer, parce que bon, t'as un jeu mauvais pour quand même y jouer, tu vois. Je crois qu'on l'a tous vécu ça, passer 4 ans en disant je l'ai acheté, il est pourri, il fait 500 balles, et c'est le seul jeu que j'ai. À Noël, le Père Noël m'a amené que ça. Je vais le dégommer. J'avais même dégoté un adaptateur avec le Tetris japonais, et je comprenais rien, mais j'arrivais à peu près, j'avais trouvé à peu près comment lancer le menu, et j'arrivais à faire à peu près Tetris, je comprenais pas pourquoi il y avait autant de possibilités, parce que Tetris c'est Tetris. Ouais. Le Tetris japonais est dur à traduire dans les briques, en fait. Les briques sont japonisées. J'ai trouvé comment faire le niveau 1. Et nos deux hardcore gamers ? Pour moi, ce serait, oui, la GameCube, parce que j'ai énormément de très, très bons souvenirs sur cette console, notamment, par exemple, aller au pif, Star Fox Adventure, que j'avais adoré, ouais. Wind Waker, j'ai refait Ocarina of Time, Resident 4, évidemment. Et même le remake du premier, qui était tellement fou. Le Reverse, ouais. Et toi, tu t'avais... Moi, j'étais très gamer. Alors, la première console que j'ai possédée... Possédée physiquement. Physiquement, absolument, c'était la Game Boy, en fait. Et le truc, c'est que j'ai joué à peu près toutes les consoles de chaque génération. Je dirais que ma console culte de tous les temps, c'est certainement la Super NES. Mais en fait, mes premiers souvenirs, c'est la Game Boy. Je me souviens encore
vraiment, c'est très très clair dans ma mémoire quand j'ai ouvert le papier cadeau et que j'ai trouvé la Game Boy à l'intérieur, que j'ai mis Tetris dans la cartouche et que j'ai commencé et à y jouer. Et que là, tu t'es rendu compte que tes parents n'avaient pas mis de piles. Si, si, parce que c'est pour Noël prochain. Il y avait des piles dans la Game Boy quand tu l'achetais, des piles rouges. Ouais, on se souvient parfaitement. Panasonic. Vous me la ferez. Exactement, Panasonic. Et on s'était barré le matin de Noël, tu sais, le truc où genre le midi tu vas bouffer chez ta tante et que t'es là genre, mais non, je viens d'ouvrir mes cadeaux. Et là, c'était génial parce que je pouvais emporter mon cadeau avec moi et y jouer. Ça, c'est un beau souvenir. Et non, ouais, la Game Boy, incroyable console. Et Nico, au Portugal, qu'est-ce que vous aviez? Alors, au Portugal, pas grand-chose, on parle des ânes. Et des briques. Et des briques. Oh, des briques et tout. Non, moi, j'ai commencé avec Commodore, Amstrad, Atari. En fait, tu les as tous eu, quoi. Ouais. Après, j'ai eu NES, Game Boy, Super NES, Master System, Mega Drive. J'ai eu Super Nintendo, N64, Dreamcast, j'ai tout eu. Franchement, arrête de t'embêter, c'est quoi ta Mais en fait, j'ai des souvenirs sur à peu près toutes les machines, des souvenirs uniques. Mais il y en a une. Pas nous dire. Il y en a une vraiment qui, pour moi, ce pivot qui fait que je passe d'un simple joueur à un vrai passionné. Pour moi, c'est la Nintendo 64. Parce que ça reste la console la moins populaire de chez Nintendo. Mais ça reste la console qui a eu les jeux les mieux notés de toute l'histoire du jeu vidéo. Mmh. Et pour preuve, les Ocarina of Time, Majora's Mask, GoldenEye, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, toute l'équipe de Rare, qui pour moi à l'époque est la plus grande équipe de dev. Ils se murmurent encore aujourd'hui dans des équipes comme Infinity Ward, Naughty Dogs, que le mythe à l'époque, et les gens voulaient aller travailler chez Rareware en Angleterre. Star Fox Adventure. C'était des génies mentaux, les mecs avaient une vision, un parti pris artistique, et leur jeu était incroyable, Conquer Bad Fur Days, qui est un jeu exceptionnel. Donc, pour moi, oui, ce serait la Nintendo 64. Peu de jeux, mais que de grands jeux. Voilà. C'est joliment dit, quand même. Et toi? Moi, mais oui. Mais oui, parce toi, que David, comme tout le monde le sait, je suis tellement un grand gamer. L'ordi. Non, j'ai eu mon premier ordinateur il y a 4 mois. C'était un Amstrad 2. Et je joue au solitaire. Ouais. Et j'ai pas encore compris le démineur. Non, Game Boy, mais moi, j'ai grandi dans une petite ferme. Au cœur d'une montagne enneigée. Mes parents revenaient des champs. Et Game Boy, Nintendo, je pense que je suis assez proche de toi en termes de jeux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette période, mais ça, c'est la période de notre âge. C'est-à-dire Game Boy, Super NES, un peu NES au début, mais j'ai abandonné à N64, GameCube. En fait, ces moments, ça devenait trop compliqué. J'aime les jeux simples. Moi, j'ai switché à PlayStation après. La 64, ça a été une révolution. Et puis Ocarina of Time, quoi. Ouais. Bah, le 64, un des plus grands jeux de tout le temps. C'est lui qui apporte le level design, la technicité, le placement caméra. C'est le premier vrai jeu 3D. Il y a eu des itérations avant, comme il y a eu Toshinden, il y a eu un Ridge Racer et tout. Mais le premier vrai jeu qui pose les caméras, qui crée l'univers qu'on connaît aujourd'hui avec la PlayStation 3, 4, Xbox One, Xbox 36, Wii, Wii U, peu importe, c'est Mario 64. Moi, je jouais à Eric Cantona Football sur Nintendo. Je dois être le seul, en fait. Voilà. Eric, si tu le regardes. Voilà, c'est comme ça qu'on se tape une loose. Joe, faut que tu remontes le niveau. Rubrique série télé, tout de suite. Eh bien, aujourd'hui, Davidovitch, de quelle série vais-je parler? Eh bien, on va parler tout simplement des aventures du jeune Indiana Jones, une série qui a été créée en 1992 et diffusée jusqu'en 1993 pour la chaîne ABC. Et je propose que nous en regardions tout de suite un petit extrait. Mais oui! Très bien. Ça y est, je suis complètement dedans. Mais c'est toi, c'est toi Indiana Jones. C'est toi, c'est exactement ce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il s'est incrusté dans le montage. Mais non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une petite ressemblance à laquelle je ne fais rien. À laquelle il ne faut pas faire attention. Vu comment a terminé l'acteur principal de la série, je préfère ne pas lui ressembler le surplus que physiquement. En tout cas, c'est une série donc diffusée à partir de 1992 sur ABC, produite par Steven Spielberg avec son mythique studio Amblin, également par George Lucas avec Lucasfilm, et puis en partenariat avec la Paramount. C'est une série au budget pharaonique pour l'époque, ce qui fait que malheureusement, elle ne va pas durer les 70 épisodes que George Lucas avait prévus. Elle va seulement tenir 2 saisons,
parce qu'elle ne rentre pas dans ses frais. Malgré tout, ça reste un succès critique, puisqu'elle récupère pas mal de Grammy Awards, et un succès public, puisque c'est Indiana Jones, et que les gens, de toute façon, il y a Indiana Jones, ils vont regarder, même si c'est nul, la preuve, le dernier Indiana Jones sans date. Comment est née cette série? Tout simplement, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'introduction du film Indiana Jones et la dernière croisade, donc le troisième épisode. Le petit qui est mort. Exactement. River Phoenix. River Phoenix, qui jouait le rôle du jeune Indiana Jones dans une poursuite. Il devait récupérer la croix de Coronado, voilà, à des bandits qui l'avaient dérobé. Il réussit à la récupérer, et quand il retourne chez son père, incarné par Sean Connery, le chef des bandits vient récupérer la croix de Coronado et lui filer son chapeau, et il devient Indiana Jones, puisqu'il y a un c'est plan d'ailleurs dans cette séquence génial. Où il se blesse la joue, exactement, où il se prend un coup de fouet. Et on exactement. Vous découvre pourquoi il a peur des serpents. Tout à fait, vous êtes fortement informé. Je sais que votre rubrique, je la maîtrise pas trop mal. Tu serais pas plus ou moins geek. Alors donc, cette scène plaît énormément et donne l'idée à George Lucas d'étoffer réellement le mythe Indiana Jones et de développer tout un arc narratif sur la vie d'Indiana Jones de 1905 à 1936, date du début des aventuriers de l'Arche perdue. Donc il va écrire la matière pour 70 épisodes. C'est vraiment un truc assez énorme qui se déroule dans l'ordre chronologique. Donc on a d'abord un tout petit Indiana Jones, je ne me souviens plus le nom du petit acteur, mais il était vraiment pas mal. Il jouait Indiana Jones jusqu'à l'âge de 8 ans. Et ensuite, on a Sean Patrick Flannery qui reprend le flambeau de River Phoenix, qui a été approché pour le rôle, mais qui, lui, avait déjà pas mal de propositions au cinéma. Donc du coup, il a dit, écoutez, les séries télé, moi, très bien peu pour moi. Donc c'est Flannery qui récupère le rôle. Et donc les aventures du jeune Indiana Jones, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment là qu'on constate que George Lucas et Steven Spielberg étaient vraiment passionnés par Tintin, parce que c'est Indiana Jones à travers le monde. C'est-à-dire qu'il va un petit peu partout. On retrouve Indiana Jones durant la Première Guerre mondiale, Indiana Jones dans les conflits en Chine, on le voit en Russie. Vraiment, c'est Indiana Jones Globetrotter. Et il rencontre des personnages réels, tels que Picasso, Sigmund Freud. Il rentre il a un fight avec Ernest Hemingway autour d'une meuf, et il croise donc pas mal de personnages qui sont incarnés par énormément de guest stars. C'était une série qui a accueilli des acteurs comme Catherine Zeta-Jones, comme, qu'est-ce que j'ai noté encore? Bah oui, Christopher Lee, le comte Dracula, ou encore Saruman, qui interprète le comte Ottokar Graf Tirzin, qui était un véritable diplomate hongro-autrichien pendant la Première Guerre mondiale. Donc hyper documenté. Voilà, c'est une série très documentée, mais en même temps, c'est Indiana Jones, donc évidemment, c'est de l'aventure un peu... Un peu old school, exactement. C'est très sérial. Il y a beaucoup d'humour. C'est très second degré, mais c'est quand même assez basé sur la véritable histoire du monde au XXe siècle. On a également parmi les guest stars, il y a une anecdote assez marrante. Si vous avez déjà rêvé de voir James Bond se fighter avec Indiana Jones, il suffit de regarder l'épisode dans lequel on retrouve Daniel Craig, un officier nazi, qui se fight avec Indiana Jones. Et là, quel numéro, je ne sais pas de quel numéro. Je suis navré. Je sais que c'est dans la première saison, mais je ne sais plus, j'ai pas noté le numéro du téléphone. 1992-1993. Et alors ensuite, étant donné que la série doit s'arrêter parce qu'il n'y a plus assez de thunes, George Lucas n'abandonne pas l'idée de continuer à développer l'histoire d'Indiana Jones, et du coup va créer 4 téléfilms assez friqués qui seront diffusés jusqu'en 1997 à la télé. Et puis ensuite, la série commencera à être diffusée. Pour l'anecdote également, c'est dans cette storyline qu'avait développé George Lucas qu'il avait prévu de commencer à entamer l'histoire du crâne de cristal qu'on retrouve dans le quatrième épisode d'Indiana Jones, Indiana Jones au royaume du crâne de cristal. Mm-hmm. Ça devait être développé normalement pour une saison 3, ça devait être le plot central de la saison 3. Finalement, ça a dû être abandonné. Malheureusement, George Lucas a réussi à le récupérer pour en faire Indiana Jones 4, avec le résultat que l'on sait. Moi, ouais. Je me tourne vers Julien. Tu la connaissais, cette série? Pas du tout. Justement, là, je découvre et je me dis que c'est dommage. J'aurais adoré voir ça étant môme, je pense. Ouais. Mais maintenant, ça te ferait moins kiffer ou tu serais... Je sais pas, ouais, je me demande un peu. Moi, je suis pas un grand fan d'Indiana Jones. Moi, j'aime pas les vidéos, les mangas, les tout ça, enfin, ça me passe complètement. Moi, je suis pas trop geek de toute façon. Sortez, monsieur Julien, là. Non, mais en plus, j'aime beaucoup, mais ça fait longtemps que je les ai pas vus. Justement, je voulais me les refaire, je voulais me choper un beau coffret pour me les refaire et pour dire, ah, j'aime bien. Mais en effet, je suis resté sur la mauvaise note du dernier, voilà, que je suis allé voir. Mais je serais curieux de voir ça, ouais, ça a l'air marrant. Surtout si c'est super mais produit, je suis quand même, écoute, ça a trop mal documenté le dernier, mine de rien, le film est pas bon,
Non, mais le mais en, plus, en plus, moi, je tacle un peu, mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. Pour terminer, je dirais que cette série a pris un petit coup de vieux. Elle est assez inégale, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui sont vraiment palpitants, des épisodes qui sont un petit peu en dessous, mais ça reste effectivement une série qui a participé à grandement développer le mythe Indiana Jones. Et si vous êtes fan du personnage, c'est vraiment intéressant de la revoir aujourd'hui parce que vous allez y voir plein d'anecdotes. Et puis, vous allez pouvoir voir Harrison Ford qui fait un petit caméo en tant que Indiana Jones de 50 piges avec une grosse beubare. C'est assez intéressant. Allez, tout de suite, on se penche sur le cas de notre invité du jour. Je me tourne vers toi, Julien. Oui. Julien, quand j'ai dit podcasteur, alors je sais qu'en général, tu n'aimes pas les termes. Est-ce que tu es un podcasteur ou tu n'es pas un podcasteur sur... Podcasteur, ouais, c'est un terme bizarre en fait. C'est un terme qui a évolué et qui ne veut plus vraiment dire ce qu'il voulait dire à l'origine. Mais moi, je m'en fous en fait. Enfin, les gens m'appellent comme ils veulent, c'est pas dénigrant. Ah non, mais complètement. Parce qu'aujourd'hui, quand même, tes vidéos en solo, on était quand même à plus de 300 000 vues en moyenne. C'est pas mal, on peut l'applaudir. C'est bien, quand même. Et surtout, alors pour moi, parce que oui, je dois cirer un peu je dois te donner un peu de cirage justement, parce que je te kiffe. Moi, je trouve que tu as pris une vraie amplitude depuis que tu es passé chez les Suricates. Donc les Suricates, dis-nous, qui sont les Suricates ? Suricates, donc voilà, c'était 4 personnes, maintenant on est 3 pour cette nouvelle saison. Donc il y a moi, donc Julien Josselin, je me représente, Raphaël Descraques et Vincent Tirel. Donc voilà, on est 3 auteurs, réalisateurs, comédiens. Et donc on fait des sketchs, tout simplement. Qui marche très très bien, puisque... Qui marche bien pour l'instant. Juste avant l'émission, j'ai montré le... Ouais. Qui, pour moi, est peut-être la perle, qui s'appelle Super Hero Hangover, c'est ça ? Qui, en fait, c'est Very Bad Trip chez les super-héros. Voilà, c'est ça. Et qui est juste hallucinant en termes de montage, de réal, d'écriture, d'interprétation, c'est vraiment, mais nickel. C'est un peu le... Il y a tout le gotha des jeunes comédiens youtubeurs français, en plus. C'est ça, voilà. C'était un peu le bouquet final de fin de saison 1. On voulait faire un gros truc avec un peu plus de budget. On les a embêtés un peu pour qu'ils nous donnent un peu plus de budget parce qu'on croyait en l'idée. Et puis, c'était une idée aussi qui pouvait pas se faire à moitié, en fait. On s'est dit, c'est marrant de faire des super-héros qui se bourrent la gueule, mais s'il y a juste Robin et Batman, c'est pas marrant. Il faut qu'il y ait tout le monde. Il faut faire les meilleurs vannes. En fait, tu aimes dépenser l'argent des autres. Voilà, c'est ça. Ah, un peu comme moi, on va bien s'entendre. Moi, si je peux citer un épisode qui m'a particulièrement marqué, c'est celui de la masturbation interdite. Où je l'ai montré à ma meuf et j'ai fait voilà, tu vois ce qui se passe, tu vois ce qui se passe quand on peut plus se masturber tranquillement, et bien les gens deviennent complètement fous. L'épisode de la masturbation devient illégal, en gros, on a plus. C'était un des tout premiers que vous avez fait avec Suricate, ouais, voilà, c'était un petit peu les prémices de Suricate, c'était un sketch fait par Raph, ouais. Et bien c'était déjà fort drôle. Et comment vous organisez à trois, parce que vous êtes quand même très multitâche sur chaque sketch, il y en a un qui chapeaute plus l'un et l'autre il chapeaute plus le suivant. Voilà, et c'est ça, voilà, ça entre répartis les sketchs et puis on brainstorm beaucoup sur pour les sketchs. Il y a certains sketchs qui sont vraiment écrits à trois et d'autres qui sont plus écrits par un seul en particulier. Mais il y a toujours quelqu'un qui porte le projet et voilà, qui sera le réalisateur. On ne peut pas réaliser à trois, ça serait trop compliqué. Donc il y en a toujours un qui prend le projet en main, qui le réalise, qui le monte, et toujours, bien sûr, en consultant les deux autres, quoi. Mais voilà, et pour l'instant, on s'entend bien comme ça. Et actuellement, saison 2, du coup, des Suricates, voilà. Sur le Golden Moustache qu'on retrouve sur YouTube, sur goldenmoustache.com. Et alors justement, toi, tu as quand même cette confrontation entre ce joli croisement, je vais utiliser une petite métaphore, entre justement culture geek et humour. C'est quoi tes racines ? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans tout ça ? Tes maîtres à penser ? Il y en a beaucoup, moi j'ai bouffé beaucoup de choses. Sur ton t-shirt déjà. Ben voilà. Le t-shirt peut-être le plus cool que j'ai vu depuis très longtemps. Excellent. C'est ma maman qui me l'a offert, c'est trop stylé. Elle m'a ramené ça de je sais plus où et c'était trop fort, je l'ai jamais vu. Un t-shirt Frankenstein Junior. Et ça fait partie des grosses références. Moi, mes grosses références, j'ai remarqué ça récemment, c'est de la comédie fantastique en fait. C'est vraiment ce mélange de films de genre et d'humour. Il y a Frankenstein Junior, il y a Braindead que j'aime beaucoup aussi de Peter Jackson. Même Retour à le futur. Il y a lui là. Retour à le futur. Même lui, je suis un peu passé à côté. Mais je l'ai revu récemment et j'ai bien aimé. Ça fonctionne. Mais mon film vraiment culte, je crois que c'est Retour à le futur, qui est number one, je crois, et qui est pareil, dans le même esprit, un peu comédie fantastique, SF, quoi. Et j'ai remarqué ça récemment, ouais, que c'était un petit peu là où tout s'entrecroisait. C'est quand on respecte un peu le genre, quand on fait un film de genre et en même temps on s'en moque. Il y a Edgar Wright qui fait ça vachement tout bien aussi en ce moment, qui a fait Shaun of the Dead, voilà, et qui continue à faire un petit peu ce mélange-là aussi. Et voilà, mais après, jeux vidéo, tout, j'ai baigné là-dedans, je suis comme ça, avec les yeux qui sortent.
Et la suite, ça va donner quoi alors? La suite, bah, pour l'instant, voilà, saison 2 de Suricat. Donc on refait, non, je parlais dans le futur. Ah, dans la suite-suite. Suite-suite. Dans le retour vers le. Ah. Ouais. Oh. Ça, l'idée, c'est de construire une DeLorean et de remonter dans le temps pour aller jouer dans Retour. Et bien, alors, nous l'avons construit pour toi. On a eu l'idée avec Nico, on a déjà commencé à monter un petit truc là. C'est de joindre à nous. Et même qu'on a lancé. Temporel ou pas? Ouais. Évidemment. On a lancé un magazine dans la presse, tu sais, construit ta DeLorean numéro 1, le premier boulon et un tournevis. Mais non, bah du coup, alors le futur, je sais pas, pour l'instant, on se laisse guider par cette énergie Suricat qui nous plaît, on se marre beaucoup à tourner ces trucs-là et tout, on en est très fiers. Donc voilà, c'est de continuer ça. On a tous les trois un petit peu comme point final, enfin final, comme objectif en tout cas le cinéma, on espère un jour y arriver et en faire un petit peu. Et est-ce que ça commence un petit peu à prendre? Parce que j'imagine que quand tu fais des sketchs qui sont quand même hyper stylés, que tu commences à taper 3 millions, 4 millions de vues, il y a bien un gros producteur américain avec un cigare. Peux-tu jouer le gros producteur américain avec un cigare? Hey Barry, ça va? Toi, on va faire du fric ensemble. Pas mal, bah, il n'avait pas cette voix-là. On commence à nous contacter un peu, donc on y va tranquillement parce que c'est un milieu qu'on ne connaît pas en fait, tout simplement. Et c'est pas parce qu'on fait des bons sketchs peut-être qu'on fera des bons films, quoi. Donc ouais, en tout cas, c'est un truc qui nous intéresse et on y va tranquillement pour pas se presser, mais on aimerait bien. Ouais. Et ce qui est agréable en plus dans votre groupe, c'est que vous êtes plutôt très équilibré en fait. Vous n'êtes pas des gros agents. On n'est pas fous. C'était ma question. Je vous trouve très bien dans vos têtes. Non, mais j'ai reparlé là que t'as quand même des groupes, t'as toujours des fois un leader qui, je dirais naturellement, est peut-être plus en avant parce que des fois t'en as qui sont plus sur l'écriture ou sur le montage et tout ça. Mais je trouve que c'est très très équilibré là, chez vous. C'est ça, bah, on est content de pouvoir faire un peu tout en fait. On aime bien chapeauter nos projets de A à Z, de l'écriture au montage. On a tous les trois cette rigueur là, quoi. Donc c'est cool. Après, on a tous les trois aussi nos différences, on a tous les trois nos univers. Moi, je pourrais pas écrire les sketchs qu'écrit Raph ou Vincent et inversement, quoi. Donc on se complète et voilà, c'est un peu. C'est plus un collectif au final qu'un vrai groupe, tu vois, c'est un groupement de trois personnalités et on rajoute des petits trucs dans chacun. Ouais, qu'on parle d'une équipe de fou. Enfin, ce qu'avant tout le collectif. C'est ce qui compte pour aller marquer le but. Et dernière question, du coup, les sketchs passent en ce moment télé aussi? Oui, on les a vus quelques fois, mais alors je savais pas s'il y avait une programmation régulière ou pas. Je sais pas non plus. D'accord. J'appelle la chaîne de télé qui s'appelle W9. Allô, oui. Julien, on voulait juste savoir quand est-ce que vous programmez ça proprement. Hein, c'est mon Gonzo au téléphone. Ils peuvent te répondre. Parce que... je sais pas trop. Ça varie pas mal. Mais oui, il y avait une émission qui s'appelait Le meilleur gueule des moustaches. Et voilà, je sais jamais trop où ça en est, mais de temps en temps, on diffuse nos sketchs, donc c'est cool aussi. Voilà, mais c'est la méchante télé. C'est méchant la télé. Ce qui est méchant aussi, c'est la shopping list, cette petite rubrique qui vous permet de dépenser tout l'argent que vous n'avez pas, d'avoir un découvert et après d'être fiché Banque de France. Hey Jason, soirée diapo, tu vas kiffer. Alors là, c'est moi qui cours tout nu dans un pré, là, c'est moi qui cours tout nu sur la plage, là, c'est moi qui cours tout nu dans la rue, et là, c'est moi qui cours tout nu dans le poste de police. Être top geek chez Hugo Image. Alors ma première réaction quand j'ai reçu le livre, elle a été à peu près celle-là. C'est nul ! Mais pourquoi faire un bouquin pareil ? Ça a l'air pourri ! C'est un projet complètement barré ce bouquin. C'est plein de petites inventions de création que vous allez pouvoir faire chez vous pour personnaliser votre matos geek. En l'occurrence, vous pourrez faire un ordinateur steampunk, une antenne de téléphone portable avec des boîtes de conserve, transformer votre manette de jeu en coque iPhone. Voilà, tout ça c'est là-dedans. Il y a même une deuxième petite déclinaison. Oh, comment créer ces gadgets geek ? Voilà, je vous le conseille et en plus c'est un bon moyen de s'électrocuter au moins 30 fois. Royal chez Glénat, ici le tome 3 avec Alejandro Jodorowsky aux commandes. Un jeune souverain qui s'est fait éjecter de son royaume va repartir à la conquête de son trône. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle une histoire déjà. Ah, le trône, faire dans le trône, je ne sais plus. En tout cas, Jodorowsky, vous le connaissez aussi, c'est un cinéaste fou et parfois incompréhensible, avec notamment des films comme El Topo, Santa Segre, et qui a failli faire également le Dune de David Lynch. J'adore Blanche. Alors, vous ne savez pas qui est Blanche, mais je vais vous le dire, c'est une attachée de presse de l'agence Miam. Alors, je soupçonne souvent Blanche de m'envoyer des films juste pour que je puisse faire des vannes pourries, parce que je crois qu'elle aime bien me martyriser. Là, en l'occurrence, j'ai reçu le Blu-ray de Lovely Molly. Laissez-moi vous lire l'arrière de l'affiche avec mon accent américain. Grosse voix. Quand ce souvenir rime avec mourir. Après avoir terrifié les spectateurs du monde entier avec le projet Blair Witch, le réalisateur Eduardo Sanchez récidive. Cette fois-ci, aux scènes de fiction du film s'ajoutent des extraits des vidéos filmées par la jeune héroïne.
un peu comme tous les found footage des 10 dernières années. Mais bon, et on nous précise, avec un acteur récurrent de la série Son of Anarchy. Mais qu'est-ce qu'un acteur récurrent ? Bah, un acteur récurrent, c'est ça. Star Trek, l'histoire non officielle de la saga intergalactique, voilà un superbe cadeau à offrir et c'est chez Hors Collection. Qu'est-ce que vous avez dedans ? Vous avez tout, sur les films, sur les séries télé, les produits dérivés, toutes les anecdotes, c'est l'œuvre ultime de Star Trek. Un cadeau à offrir à tout le monde, mais par contre qui ne peut pas servir à ça. Excuse-moi, t'aurais pas l'heure ? Ouais, mais carrément, il est Star Trek moins 5. Un cadeau de ouf à 3573€, les amis, le vitrail Iron Man. Le vitrail qui te permettra de tuer un enfant, ça te sera autorisé par la loi quand il aura balancé son de ballon de foot dedans. Allez, retour en plateau. Plus d'argent, j'ai plus de thunes, c'est terminé. Tu étais ruiné déjà. Adieu. Oh, mais du coup, qui c'est qui va me payer à manger ? Mais pour l'instant, vous savez que vous allez pouvoir donner des choses gratuitement. Non, je n'ai pas d'argent. J'ai déjà donné tout mon argent à Julien. Merde. C'est le moment final, la dernière phase de cette émission, le moment de donner un petit plus au chroniqueur qui vous a le plus convaincu de se jeter à corps et à cri. Dans ce qu'il vous a présenté, cette phrase est très longue, je vais finir par la finir réellement. Julien, c'est à toi de te mouiller. Tu peux pas nous faire genre, je vous ai tous bien aimé. Ouais, je vais me mettre des gens à dos, clairement. Ouais, mais vas-y, c'est la fin de l'émission, ils n'auront pas le temps de te casser la gueule. Bon, je crois que j'ai un peu trouvé parce que je crois que je suis un peu passé à côté d'Indiana Jones et un peu passé à côté de Sailor Moon parce que genre, il aurait fallu que je découvre ça plus jeune, je pense. Mais tu m'as un peu convaincu avec l'étendard de la classe, quand même, j'avoue. En fait, moi, je suis un grand fan. Oh, il veut pas se mouiller. En fait, je vous ai tous aimé. Ouais. T'as vu ? Non, je suis à côté, toi, j'aimais bien. C'était vachement discret comme façon de faire. Alors, non, mais moi, je suis un grand fan de Metal Gear Solid et du coup, tu m'as montré qu'il y avait quelques liens et j'ai retrouvé un peu le lien avec l'histoire des inversements, des trucs techniques, etc. Ce que t'as dans les deux jeux. Voilà, Wine Point pour Nico. Voilà, okay. Je suis curieux. En plus, moi, la GameCube, c'est pareil, j'ai pas trop découvert, donc j'ai envie de redécouvrir les jeux de la GameCube un peu, parce que je l'ai pas eu. Nico ? Top. Moi... moi aussi, c'est moi-même. Sailor Moon, je connaissais quand même un peu. Par contre, je connaissais pas du tout Indiana Jones. Ouais. Quoi ? Non, mais la série, films, je connais bien évidemment, mais je connaissais pas du tout la série. Et j'aime beaucoup quand les histoires sont ancrées dans le réel. Et du coup, je pense que je la regarderai jamais. Mais je vais te donner un point. Je vais te donner un point. C'est toujours ça de prix. Ce prix là, un point, je suis avec comme ça. C'est bien. Ouais, je suis avec sympa. Alors moi, je vais donner mon point à mon Nico. Oh ma chérie, merci. Voilà, parce qu'Eternal Darkness, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs jeux vidéo, même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Ouais. On a pas mal de souvenirs jeux vidéo, c'est vrai que c'est... Nico et moi. Et c'est vrai que ça fait partie de mes, je pense, de mes meilleurs souvenirs. C'était vraiment fort. Nico, ouais. Ça monte là. Joe. Donc voilà. Moi je vais donner mon point à Carole qui n'en a pour l'instant pas eu et en cas de doute toujours s'orienter vers les nichons. Et en plus de ça, pourtant j'en ai pas beaucoup. J'ai fait Eternal Sunshine, je trouvais que c'était un peu. Ah bah oui, c'est sûr! Eternal Sunshine! Eternal Darkness! Un mix d'Eternal Darkness et Mario Sunshine! J'ai adoré! Mais c'est quand même un peu. Je suis au fait des sketchs de Golden Moustache ainsi que des Suricates et Sailor Moon, moi c'était une des séries que je boycottais quand j'étais gamin parce que non, moi c'était Ken le survivant, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis que en fait, des nanas à moitié à poil qui se roulent des patins et qui ont des super pouvoirs, je veux bien regarder. Oh, pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. Je veux bien être transformé. Je suis à deux doigts de mettre mon plus à Carole, mais je veux juste savoir si le coffret que tu as là est une version censurée ou la version originale. Non censurée. Non censurée. Ouais, ouais. Deux points. Tu as deux plus. Allez les amis, l'émission est désormais finie. Je vous invite à poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, le hashtag plus ou moins geek si vous voulez partager, réagir, vous n'hésitez pas. Allez découvrir si vous ne connaissez pas notre invité Julien sur les Suricates, donc la chaîne YouTube Golden Moustache. Ouais. Et sur ton blog aussi, puisque tu fais des petites vidéos en solo, mais tu m'as dit c'est un petit peu la pause en ce moment. Ouais, bah j'ai pas. Ouais, c'est ça, je devrais en faire un petit peu. Voilà. Plus. Un petit peu comme moi. Également le site internet www.plusoumoinsgeek.com, le forum où vous pouvez vous inscrire, réagir et compagnie. Et n'oubliez pas qu'un bon geek sera toujours, à nos yeux, un geek curieux. À très bientôt, mes petites poulettes.